Bonjour tout le monde, c'est Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller. On continue l'aventure du jeu Chrono Cross, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Vous m'avez prévenu de votre arrivée. Montez. Parfait, je savais que vous viendrez. Bon, maintenant qu'on est tous là, voilà ce qu'on compte faire. Ça vous dirait de sauver une île en chantant une complainte? Et de faire mieux de réfléchir avant de parler, Turbo. Tu délires complètement. Non, je suis très sérieux. D'après Irène, l'île de Marbule est infestée de monstres. Leur seule faiblesse est une complainte de demi-humains que connaît le sage. Quand on chante après de l'île, les personnes se changeront d'exterminer les monstres. Voilà le plan. Vous êtes d'accord pour nous aider, hein? Parfait. Je savais que vous accepteriez de nous aider. Parfait. Je vais réunir tous les demi-humains du Zelbus pour former l'orchestre. Les humains auront du mal à jouer la chanson correctement. Le bateau doit être en vue de Marbule, non? On n'a pas oublié un détail, on est encore couplé aux Zelbes. Et puis on est sous contrat avec Fargo. On ne peut pas partir comme ça. Ouais, je sais, je ne compte pas y aller avec notre seul bateau. Il ne faudrait pas décevoir nos fans à bord du Zelbes. Le seul problème, c'est de convaincre mon père. Fargo, c'est toi qui vas t'en charger. Nous, on doit se concentrer sur le spectacle. Écoute, ce que je dis commence à devenir intéressant. C'est presque un test pour savoir jusqu'où on peut aller dans notre spectacle. Donc, tu es dans le coup, Mickey? Génial, alors commence la répétition, tout le monde. Merci pour votre soutien, Serge. Je compte sur toi pour faire un concert qui déchire. Excusez-moi. Nous vous avons entraîné dans une aventure difficile. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, je serais ravi de vous joindre à vous. L'accepter. Irena, je rejoins votre équipe. Sur le bateau, bien sûr. En revanche, je ne peux pas vous dire où Turbo n'aime pas avoir de stock en capteur. Si vous trouvez une idée pour convaincre Fargo, en tout cas, dites-le-moi. Utilisez le crabe violoniste là où le flot de la mer morte change. Hein? Je n'ai aucune idée de ce que ça peut bien vouloir dire, mais j'espère que vous comprendrez. Existe-t-il, Nagan, quelqu'un qui pourrait convaincre Fargo?
t'as déjà été sur Morbid. Avant, c'était un endroit paradisiaque où il y avait des sirènes, un ancien festival de Rickmans. C'est de là que tous les matelots de Mima du navire viennent. Non, mais ça ne me regarde pas comme ça. Les demi mains disent qu'ils sont contents. Je te dis ça. Sage alors, pas vous. Vous avez ce que vous voulez, rentrer chez vous maintenant. Je me demande si je vais rien casser quelque chose avant de partir. Oh, je veux pas savoir, Irène. Ça va le faire. Ma bulle va sombrer dans le repos éternel, tout comme l'âme des Eldes. Vous avez trouvé sage alors? Vous avez ce que vous vouliez. Rentrez chez vous maintenant. Ah, il n'a pas racheté plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le vieux Chico aujourd'hui? Depuis que le capitaine a perdu, Chico enchaîne les victoires. À moi le jackpot. Voilà pourquoi je n'arrive pas à arrêter de jouer. La chance est avec moi aujourd'hui. Je vais pouvoir régler ma dette auprès de cette canaille de capitaine. Oh, c'est vous. La fortune me sourit enfin. Je vais pouvoir m'acquitter de ma dette et quitter ce navire de malheur. Hey Padre, j'ai entendu dire que tu avais réglé ta dette à Fargo. Ce n'est pas une blague, hein? Pourquoi je mentirais à propos de quelque chose comme ça? Je n'ai plus aucune raison de rester ici. Je me taille. C'est triste, cela fait 3 ans. 3 ans que tu nous as trouvés alors que nous nagions dans le semoule, après avoir perdu la mémoire. Nous te devons tellement de temps. Ce n'est pas encore au point sur notre duo comique, mais un jour, on arrivera à te faire rire. Ah, ces deux-là, Ardell le rit. Si je tombe sur l'un de vos camarades, je lui assurerai que vous vous portiez bien. Bonne chance à vous aussi, et faites-le, ce satané régime. Oui, je sais.
Allez les amis, assez pleuré, Aram, Sam, Sam. On se reverra, j'en suis sûr. Prenez soin de vous. Non, et puis non. Ah, mais pourquoi? Tu dis toujours que tu veux partir d'ici. Pas avant que vous soyez capable de manier 4 épées. Et pas avant que les gens rient aux blagues de Hardel et Lori. Je ne peux pas abandonner ma famille. Padre. Mais je tiens à vous prévenir. Je pourrais éventuellement rejoindre ces personnes si elles font appel à moi. Bon. Qui doit entrer en scène maintenant? Nous. C'est vraiment vrai. Vous ferez mieux de répéter au lieu de planifier. Chef, oui. Ah, ça fait du bien de se faire remonter les bretelles par le padre à nouveau. Eh bien, acceptez dans l'équipe. J'en doute parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'expérience. C'est pourquoi qu'ils ont encore besoin de moi. Pourquoi s'habiller en chevalier? Ces deux-là ne sont pas drôles du tout. Bienvenue, profitez du spectacle, le cirque de Marc. J'ai déjà tout lu ça. Oh, allez. Juste un peu plus tard.
trois étapes, on va les séparer un peu. C'est l'eau, fait, je tapais. Voilà, c'est de nouveau. Voilà. Avec les bulles, en fait. Ça, faut lui des bulles. Après, ça, faut battre le robot direct.
Sinon, faut peut-être inverser les groupes, ça va bien. D'énergie. Thank you.
passer une dernière fois.
Oui, ça fonctionnait. Juste avant. C'est Mais que fait Massa Moon, l'épée maléfique ici? Ah, c'est inutile, impossible de continuer sans perdre la raison. Caribou, nous devons faire demi-tour pour l'instant. Cette épée semble nous bloquer le passage, il doit déjà être à l'intérieur. Les vibrations négatives émises par l'épée se sont intensifiées. Nous perdons la raison si nous continuons. Il y a forcément un moyen, la mer morte est juste devant nous. Seule l'épée dragon. Elenzer peut briser le sceau de Massoum. Elenzer? C'est ça, la légendaire épée sacrée forgée dans les dragoniens. Je l'ai proposée aux côtés de son propriétaire légitime, Garai. Je l'ai déposée. Puisse-t-il reposer en paix dans cette caverne? Je regrette de devoir troubler son sommeil éternel, mais nous n'avons pas le choix. Où est cette caverne? Nous la connaissons aujourd'hui, sous le nom de l'île des damnés. C'était une caverne ordinaire jusqu'à ce qu'elle serve de véritable pouponnière de démons. Je pense que c'est dû au sentiment résiduel de Garai. Des vibrations négatives que même l'épée sacrée n'a su contenir. Au passé, nous allons avoir besoin d'un objet dont Garai se servait de son vivant. Je l'ai entreposé dans la cabane où lui et moi nous entraînions. Nous devons aller le chercher. C'est où la cabane Topelu vous entraînait? C'est pas l'île avant. Je pense que oui. Le père de Dario Garai et moi venions nous entraîner sur cette île autrefois. J'ai encore perdu. Tu as toujours un demi-pas de retard, et tu pivotes systématiquement le poignet quand tu frappes vers le bas. Je peux anticiper tes moindres gestes. Tu es le seul à savoir ça, puisque nous nous entraînons ensemble si souvent. Et moi qui pensais être un génie. Oui, bien sûr. Elenzer est un épée légendaire, que les meilleurs épiétistes parmi les chevaliers hussards se transmettent. Elles appartiennent à Garai avant que Dario reprenne son titre. C'est un hussard remarquable. Serait-ce réellement Massoum, l'épée légendaire? Bonté du ciel. N'approche pas, cela ne me dit rien qui vaille. Que pourrait-il arriver de mal à une épée légendaire? Non, n'y touche pas. Tu vois, Garai? Il n'y a rien à craindre. J'en suis pas si sûr. Partons, Papa Jou. Pas la peine de s'éterniser dans cet endroit étrange. Ah. Massa Moon était l'épée emplie de haine et de chagrin. Quiconque s'en saisit sera submergé de sentiments négatifs et se perdra la raison. Bon, c'est radoté. Attendez-moi un instant. Désolé de t'avoir fait attendre. Grâce à ce miroir, nous devrions pouvoir atteindre le centre de l'île des damnés. Le psyché de Gara. En route pour l'île des damnés.
Wow. Thank you.
Salut Turbo. Ça va. Veux-tu faire encore des top 1 tantôt? C'est juste dans une dizaine de minutes. Changer de jeu dans deux temps. Mon autre personnage, je regardais pas, j'ai mis un combat automatique. Parce qu'il était mort, je vois rien. Ça va bien. Tabar. Moyen. J'avance bien, mais j'étais pris dans le bas de la main. Hey, lâche-moi, toi. Non, je vais me débarrasser.
devoir avoir un save bientôt, d'après moi. Là. Oh. Papa joue. Lynx. Gwen repose en paix. Non, Garal. Pas un instant ne s'écoule sans que je repense à ce jour. J'étais dévoré par le pouvoir de cette épée. Oh, il va y avoir une histoire. Jamais je n'aurais pensé que nous trouverions Masamune, mon ami, moi non plus. Hé, Garay, quoi? C'est quand tu prends cette épée-là, tu viens fou. Comme l'anneau un peu dans Lord of the Ring. Qu'est-ce que... Je suis désormais le meilleur épéiste des Hussards. J'ai réussi, je me suis hissé à la première place. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, bonté du ciel, qu'ai-je donc fait? Non. Je sais que cette épée m'a rendu fou. Mais ce n'est pas la seule coupable, je dois l'avouer. J'étais jaloux de Garay et je voulais manier l'épée mieux que lui. La jadis célèbre Masamune, l'épée sacrée qui a vaincu les ténèbres. Ça pourrait être qu'elle ne soit destinée qu'à tuer. Si tu viens à regretter ce que tu as fait, alors tombe sous ma lame traite. Merci. Tu es un boss à battre. Garay, non! Écoute-moi, Garay, nous avons besoin d'Alenzer pour contrer l'épée maléfique. Dans ce cas, révèle tes intentions à Alenzer, comme le ferait un vrai guerrier. Tu vas devoir me vaincre pour continuer. Défendre une juste cause existerait donc ça, de traverser les affres du remords et de la tristesse? N'hésite pas, montre-moi à quel point les hussards sont fiers et pleins d'honneur. Approche, Papa Joe. Bon, c'est quoi, de toute façon, c'est trop lent, là. Et ça, regarde juste avant de rentrer là-dedans. Ah, mais c'est moi qui a changé les noms, c'est un streamer, ça, que j'ai vu déjà. Je vais le voir de temps en temps. Hein. Des erreurs de même qu'il faut pas faire. J'ai perdu mon personnage principal. Ah, c'est une autre fois. Ah, mon personnage est
même pas rempli, je pense. Le pire, c'est que j'ai pas mis mes... Faut que je place, change... La prochaine fois que je joue, si ça marche pas, faudrait que je change mes... Les habilités. Alors, j'ai pas placé mes nouvelles choses que j'avais achetées. Encore un mec. Ok, calme-toi, là. Ça pue.
Bon, on continuera la prochaine fois. Alors, c'était tout pour l'aventure du jeu Chrono Cross live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!